Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, ce sera l'épisode numéro 21 sur le serveur OiCity. Nous sommes actuellement tout seuls sur le serveur, nous pourrons vérifier tout simplement après et voici le nouveau World Tour. Pourquoi World Tour? Parce que du coup on n'est plus tout seul sur le serveur, malgré que les builders ne builderont pas dans ma zone principale, on va dire, dans la zone vraiment du spawn et tout. La plupart des builders qui vont être sur le serveur seront des builders avec des PC très moyens, donc rien que ma tour fait énormément laguer vu qu'il y a la ferme à bois, la ferme à bob et ainsi de suite. Forcément ça fait énormément laguer, mais vous allez pouvoir me voir dans les épisodes ou surtout dans les lives, à mon avis dans les épisodes je couperai au montage leur emmener des matériaux et aller voir ce qu'il faut tout simplement. Allez, c'est parti. Donc du coup, la base principale, toujours plus ou moins pareil, on a un peu plus de chars. Elle n'est toujours pas finie de décorer. Sur ce serveur, du coup, j'ai installé aussi des mods avec le light overlay pour pouvoir voir les zones spawnables. Voilà, donc, le light overlay. Ça. Donc, voilà. Il y a toujours l'accès pour aller en haut, mais je crois que ça vous l'avez déjà vu assez souvent. Donc ici, la tour à mob n'a pas évolué depuis la dernière fois. On avait commencé à faire la déco des tours, mais après j'ai remarqué que du coup elle ne marchait plus. Pourquoi? Je ne le sais. Donc du coup j'ai changé le système. Avant c'était des observeurs, maintenant c'est juste une montée en redstone avec les dispensers. Pareil, et la cloque est en bas. On va aller voir ça tout de suite. Je vais en mettre l'armure parce que on sait jamais. Et feu d'artifice, j'ai plus beaucoup de feu d'artifice. Hop là. Donc nous sommes améliorés un petit peu aussi dans le Félix. Du coup, vous avez tout ce qui est tous les blocs de quartz. Avant c'était comme ça, donc du coup t'as envoyé un chien, on va plutôt pas défoncer pour maintenant. Pour récupérer tous les loot avec un système de tri qui n'a pas été encore fait. Donc vous avez encore des anciens coffres qu'il faudrait que je renvoie dans le système de tri. Et comme vous pouvez voir, j'ai aménagé un petit spawner à squelette qui était juste ici. En fait, ça faisait une pique de redstone. Je me suis dit où je vais faire ma ferme à pêche. Je l'ai fait juste au-dessus. Du coup, après, j'ai construit un dôme à la main. Vous pouvez voir ça dans les replays de la Switch. Ah, donc, produit, tous les tuyaux en bas, ça vous fait de l'XP. Là vous avez le petit conduit qui revient au niveau des... Enfin, je ne vais pas le prendre, hein. Je vais pas vous faire voir le système. Hop, on décolle. La tour n'a toujours pas avancé. On avait fait la partie haute. Il faudrait faire toute la partie, cette partie-là. Là. Ça c'est à peu près le même chose que le premier ici. Mais en plus moins... La ferme à faire n'a pas évolué. La ferme à... Tout ce qui bouge.
Cornea non plus, les fermes à bois, après de nombreuses péripéties, ne marcheront pas. Donc, je ne sais pas, je suis passé sans faire la propriété de la faire fonctionner, voire ça fonctionne si peu. Atterrir ? Non, il veut pas. Joli, il va en avoir 4. Bah 4, 8 tours en tout. Comme ça. Avec un petit sapin au milieu. Ici, on se fait monter la tête. Attention, ça va s'améliorer. La longueur. Donc, on a creusé ce trou. Ça, c'est vraiment très récent. On a fini de creuser le trou de cette vidéo hier soir. Donc voilà, j'avais commencé à faire le petit rempart. Donc aujourd'hui, en fait, c'est faire le rempart en bas. Tout faire le rempart. Après tour faire milieu, tout inondé pour empêcher le spawn, faire la partie haute au moins, pas la partie du côté. Hein. Pour pouvoir en fait, là vous avez la petite scène déjà. Ici vous avez là-dessous, vous avez tout ce qui est ferme à. Vous avez le premier abonné qui s'est installé derrière la forêt. D'ailleurs, on a fait la forêt de sapin aussi. Ça va, c'est une forêt d'or, ça reste un peu ici. C'est installé par ici. Dans le but, il fait des petits trucs. Il n'est pas forcément très fort en décoration. Hein. C'est bien. Mais c'est juste pour avoir un peu de diversité, un peu de choses. C'est quelque chose à découvrir. Il a fait une grotte. J'ai dit que j'avais énormément de roches et. Quoique niveau extérieur c'est pas ça mais à l'intérieur c'est très beau cœur. Donc voilà autre chose, le four auto, on va aller le voir tout de suite, on va essayer. Non, voilà ma petite place, voilà pour faire les ciments, mais c'est pas utilisé,
lequel on sert du coup de la carte de compétence. Donc ici vous avez, ah j'avais planté des petits buissons, j'ai poussé. Donc là vous avez un petit banc, c'est pas fini de décorer, quelques petites fermes par-ci par-là, la ferme à citrouille, hein. C'est pour ma redstone et mes filtres, j'aime beaucoup utiliser la citrouille. Sous la ferme à pêche, j'ai utilisé de la lanterne aquatique et je trouve pas très beau. Je préfère vraiment un petit peu plus. Ouais. Je préfère ma canne à sucre qui produit pas beaucoup, mais tout le temps, donc ça suffit. C'est par ici. Voilà. Du coup, on va faire voir tout ce qui est principal. Comment on fait. Bien sûr, si vous tombez au niveau du beacon, vous tombez sur le chemin. Donc, ici, le. Ça va avancer beaucoup de ça, d'après les dernières. On avait fait un petit spawn. Je pense qu'il va être tout comme ça, mais il faudrait y attaquer. Là, j'étais vraiment sur le trou pour protéger mes villageois. Et je vais faire en sorte de pouvoir les libérer sans craindre pour leur vie. Et comme ça, après, me attaquer sur moi ici pour que ça fasse un joli spawn. Donc, ici, vous avez la ferme à Pigmins. N'est pas tout en route. J'aurais bien énormément de quartz. Mais le problème, c'est que je me fournis beaucoup de blackstone et beaucoup de gravier. Je vais me faire des cartes. On a changé toutefois le système de destruction pour récupérer en fait des blocs. Je travaille beaucoup de lave, de prendre en mon temps. Vous avez quand même le petit. Là, vous avez le passage pour la ferme à or qui a été évolué, mais vous regarderez ça dans le machin. En fait, au début, on avait un système pour les tuer, mais ça faisait énormément de lag, énormément d'épées qui tombaient au sol et ça n'arrivait pas à tout. Donc j'ai tout divisé par 4, 4 systèmes de filtrage, 4 systèmes de destruction, 4 tueries, et ça roule tout seul. Et en plus, quand vous descendez d'un étage pour aller au coffre, du coup, ça, vous perdez l'aggro. Et ici, c'est le chemin pour aller jusqu'à la ferme à Garden, qui, pareil, n'a pas changé depuis. Je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, vous voyez les petits zombifiés piglins qui m'ont piqué mon bateau. Alors, aussi, on a été dans l'end, on a récupéré énormément de shulkers. D'ailleurs, j'attends énormément la 1.17. J'essaie de pas trop explorer pour pouvoir récupérer du cuivre, mais je pense que si le serveur veut bien et que j'ai assez de place, je pense me faire un espèce de faux portail de téléportation dans une autre zone, sûrement une zone non générée à plus de 10 000 blocs, pour pouvoir récupérer ce qu'il me faut, comme j'avais fait dans ma dernière partie pour le Nether. C'était pas 10 000 blocs, je crois que j'avais fait moins, parce que j'avais pas beaucoup exploré le Nether. Des bastions. On a aussi exploré des bastions, on a trouvé un peu de stuff en or. D'ailleurs, vous allez voir dans mon système de shulker que forcément ça va mieux. Et du coup, j'ai tout fait un système pour vider les shulkers, c'est pas très efficace. Je voudrais un système qui me les casse au passage, mais je préfère mon système actuel qui. Vous mettez les shulkers et hop, ça se vide. Et une fois qu'elles sont vides, vous les détruisez, ils passent dedans et dès que vous avez besoin, vous les récupérez. C'est beaucoup plus simple. Il manque un peu de stockage. Mais on verra par la suite. Peut-être l'améliorer et l'agrandir un peu. Bref. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et je vous rappelle aussi que c'est le serveur Holy City. Qui a aucun rapport avec le serveur Holy Cube. Sauf mon intérêt pour ce serveur-là. Allez, à bientôt. Au revoir.